العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Je sais qu'en ce moment il y a une polémique par rapport à tout ça. Moi je pense que c'est une chose qui est faite pour répondre à une certaine demande. Dans tous les cas, religion ou pas, c'est sûr que le Ramadan c'est quelque chose de religieux. Moi-même je suis pas musulman, mais je peux comprendre cette pratique, cet engouement. Et c'est important de pouvoir respecter le point de vue et la volonté de chacun et les besoins surtout aussi de chacun. Et je pense que la campagne publicitaire sur le Ramadan, c'est quelque chose qui peut être positif. Certains y verront certainement du négatif, mais c'est quelque chose quand même qui a un fond, qui répond à quelque chose. En fait, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Je pense que après c'est vrai qu'on commercialise et on fait du commerce avec les fêtes religieuses, mais sur le principe, je vois pas pourquoi une religion ou une autre devrait être plus commerciale. Donc ça me choque pas plus pour le Ramadan que pour Noël. Je pense qu'il faut respecter chaque religion, pourquoi pas. J'aimerais bien que ça soit tout au long de l'année, pas que pour la période du mois de Ramadan. Mais je trouve ça très bien. Et toi ? Ben non, moi ça me pose aucun problème ouais. Non plus. Non, je trouve ça très bien, mais de toute façon il y a une grosse population quand même de musulmans, donc il faut tenir compte de tout le monde, hein, que ce soit asiatique, musulman, non. Moi ça me pose aucun problème, voilà. Moi non plus. Moi je trouve ça très bien, surtout que je suis musulmane, donc j'ai besoin de trouver ce que j'ai besoin de trouver au moment où j'ai besoin de le trouver. Et c'est normal que tout le monde puisse trouver, en fonction de ses croyances, des produits qui lui servent. Il y a chacun sa religion, pourquoi pas. Nous, on a notre religion avec le Père Noël. Ramadan, après, c'est quoi? C'est un autre Père Noël, et pourquoi pas. Chacun ses convictions, c'est tout. Écoutez, moi, je pense que c'est une bonne chose, dans la mesure où moi, dans mon métier, en fait, je suis amené à côtoyer donc de nombreux sportifs qui pratiquent donc ce Ramadan. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'informations à la base sur le plan, je pense, national du fait que voilà, le Ramadan, c'est quand même une religion qu'on doit respecter, même si la religion à la base est le christianisme. Je pense qu'on se doit d'avoir une information sur ça, notamment sur les centres commerciaux, tout à fait. Écoutez, moi je trouve que c'est très bien. Il en faut pour tout le monde. Et puis bon, au niveau économique, ça fait marcher le commerce. Pourquoi pas, hein? Je pense que c'est bien, parce que ça fait découvrir d'autres cultures, d'autres mets gastronomiques. Tout ça, voilà. Puis c'est bon pour le commerce, je pense. Voilà. Ah, le point de vue. Wow. De façon tout à fait objective, je dirais qu'on est dans un état laïque. Et que donc, outre le fait qu'on ait des campagnes sur Noël, il ne devrait même pas d'ailleurs y avoir de campagne sur Noël s'il n'y a pas de campagne sur le Ramadan, en partant du principe qu'on est un état laïque. Ouais, pour tout ce que. C'est quelle que soit la campagne, quelle que soit la religion, il ne devrait pas y avoir de. Ouais. Soit pas du tout, soit pour tout le monde. Quoi. Voilà, c'est ça. Soit pas du tout, soit pour tout le monde. Ce qui semblerait plus logique.